Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de City of Gangster. On continue d'avancer tranquillement, il va falloir qu'on achète plein de pots de grès, il va falloir qu'on achète plein de petits tuyaux, de petites briques, de petits plein de choses. Ouais, on va commencer par les tuyaux, je pense que c'est le mieux. C'est parti, Squashy a bientôt récupéré, donc elle va pouvoir nous aider à accumuler ce qu'il faut, et pour ça, elle va prendre un petit pécule. Oui, je pourrais avoir plus de membres, tout à fait. D'ailleurs, j'ai même des véhicules et tout en trop, mais pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à leur faire faire. Mais je suis d'accord que je pourrais. D'ailleurs, ça pourrait quand même être intéressant d'avoir quelqu'un là. Ouais, je vais peut-être faire une petite phase de recrutement, t'as raison. Ça pourrait être pas mal. On va acheter d'abord des tuyaux à 20% bien sûr. Il nous en faut 5. Ah putain, on n'a pas les sous. Notre chef est pauvre. C'est un scandale. Prends la thune. Par contre, visiblement, hein, ça nous a pas débloqué de nouveaux bâtiments. Hein. Alors, soit c'est un seul en tout par élection, ce qui est pas déconnant. Soit ça a bugué parce que j'en avais un de vide qui servait à rien, mais je doute. Hop. Alors, c'est ici. Alors, est-ce qu'on a des gens intéressants à recruter? Si, c'est ça. Liste de recrues, voilà. Il nous faudrait éventuellement quelqu'un d'intelligent. Ou de diligent. Nicolas O'Farrell, il travaille déjà pour nous. Intelligent, travaille déjà pour nous. Hein, c'est pas prometteur. De fort, il travaille déjà pour nous. Organisé, il travaille déjà pour nous aussi. Bon bah, il n'y a pas grand monde d'intéressant. Hein. Alors, est-ce qu'éventuellement on pourrait prendre du muscle? On a vu que fort c'était pas jouable, mais quelqu'un d'agile. Des gens agiles, on en a. Irritable et agile. Ouais, pourquoi pas. Curieux et agile. Négligent, agile et charme. Bon, on a éventuellement ces deux personnes-là qui pourraient être pas si mal. Organisé. Non, non, ok, définitivement. Est-ce qu'on a des vigilants? Laid, faible et vigilant. Irritable, intègre et vigilant. Bon, intègre, c'est un peu chiant. Aimable, vigilant et volubile. Lui, ce sera un bon livreur. Après, on a techniquement pas vraiment besoin d'un livreur. Mais ce serait intéressant quand même. Une personne qu'on pourrait utiliser pour faire nos différentes tâches. Parce que c'est vrai que tout seul, il commence à avoir du mal, le signe. Hein. Ouais, on va le recruter. Alors, Squashy, elle est pas encore remise. Donc, on le recrutera au prochain tour parce qu'on est trop loin. On va déposer les tuyaux, vérifier que c'était bien 5, il nous faut 6 briques. Toi tu vends pas de briques, dommage. Toi tu connais des gens qui nous seraient utiles. Qu'est-ce qu'elle rachèterait elle? Ah, elle achète de l'alcool avancé. C'est bon à savoir, même si pour l'instant on n'en fait pas. Et donc on va commencer à se diriger vers le recrutement, c'était dans le coin. Ouais, c'était là. Allez hop, en avant. Eux ils sont plus en colère contre nous, bah écoute, tu vas quand même décéder. Je suis désolé de te le dire. Dès que j'aurai le temps de m'occuper de toi, tu seras mort. Ici, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais virer tout ça. Et ça, et je vais changer ça en véhicule. Véhicule de Squashy, je vais le changer pour un pick-up. Maintenant, t'es là.
Ah, t'es derrière. Ouais, ok, t'es derrière là, très bien. Tu vas retourner chercher ton équipement. Hop, donc tu prends 500 balles et la Thompson. Voilà. Et tu vas t'occuper d'acheter des briques. On avait fait une négociation pour les briques? Je crois pas. Je sais plus. On va aller voir. Mais non! Ah putain, j'ai bougé le mauvais. Bon, c'est pas grave. T'as une quête, une bière derrière boutique. Tu voudrais une bière derrière boutique. Non, pour l'instant c'est pas trop le thème. J'ai besoin de tes briques. C'est pas toi qui vends des briques, c'est à côté. Ah ok, c'est à côté. Des briques. 35 par caisse les briques. Non, c'est trop cher. C'est ici que j'ai négocié du prix. Voilà. Non, ok, il n'y a personne qui veut négocier des briques, donc c'est pas grave. Donc toi du coup, vu que je me suis foiré, tu retournes là au prochain tour. Ici, on dépose les briques. Il va nous manquer du grès. Alors le grès, c'est toujours un grand thème, hein, bien sûr. Le grès. Il y en a un peu là, j'aimerais bien, voilà, je vais aller en jeter ici parce que ça c'est ceux qui font partie de mes ventes pour faire la bière, donc du coup, autant papiller ce qui nous sert déjà. C'est parti. Ouais, voilà, bah, typiquement, il n'y avait pas assez de grès ici encore. Je crois qu'elle galère un peu trop, celle qui fait les livraisons de fournitures là, donc un livreur de plus ça sera pas de trop. J'aimerais embaucher quelqu'un volubile, aimable et vigilant. Ça me va tout à fait. Viens là. Ils sont plus en colère. Toc, 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 toc. Ok. Toi, tu t'en sors pas. Hein. T'as beaucoup trop de trajets à faire. Donc l'objectif ça va être déjà, on va éliminer le malt parce qu'il faudra s'occuper juste du malt. Merde, on dirait que ma connexion est dans le mal. J'espère que vous êtes toujours là sur le live, même si j'ai l'impression que j'ai perdu la connexion. Oui, déconnecté, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Ok, on est de retour. Excusez-moi, visiblement, perte de connexion. J'espère que vous m'entendez de nouveau. Normalement, c'est bon, c'est revenu tranquillement, bien comme il faut. Désolé, désolé pour le lag. Malheureusement, ça arrive. On achète tout. Et il y en avait à côté aussi. Donc toi, tu viens ici. Ah oui, c'est à côté, mais c'est loin. Pas de bol. Toc. On achète tout ce que t'as également. Voilà, on se fait pas chier. On en aura besoin de toute façon. Alors, toi, tu vas prendre le petit camion de livraison. Et tu vas t'occuper, je pense, d'une partie de l'approvisionnement. Donc, toi, on va t'enlever. Les bouteilles, tu prends ça. Les pots en grès, on vire. Les bouteilles, tu prends le sirop de malt, on vire. Sirop de malt, on vire. Les pots en grès, on vire. Les pots en grès, on vire. Les pots en grès, on vire. Le sirop de malt, on vire. Les pots en grès, on vire. Le blé, on garde. Ok, donc ça, ça va être vraiment le moonshine. Voilà. À s'occuper purement du moonshine. T'as quelques pots en grès sur toi, t'es où? Non, c'est pas toi.
T'es où, t'es où, t'es où? Ok, t'es là. Bon, tu vas faire ton taf. Dès que tu repasseras à côté d'un bâtiment, on essaiera de récupérer ce qu'il faut. Et donc, on va faire une nouvelle livraison. Toc, qui sera la bière. Oula, pardon. La bière qui va consister à récupérer au Raymond de l'argent jusqu'à en avoir 200 balles. Ça sera pas mal. Ensuite, tu vas aller acheter déjà des pots engrais. Tu vas aller acheter des pots engrais ici jusqu'à en avoir 100. Puis tu vas aller acheter des pots engrais ici jusqu'à en avoir 100. Puis tu vas aller acheter des pots engrais ici jusqu'à en avoir 100. Puis tu vas aller acheter des pots engrais ici jusqu'à en avoir 100. Après, tu vas remonter là, acheter des pots engrais jusqu'à en avoir 100. Ensuite, tu vas aller ici, acheter des pots engrais jusqu'à en avoir 100. Et tu vas les déposer là. Tout. Très bien. Ensuite, on va vouloir acheter. Donc, pas du malt, on va vouloir acheter de l'orge. De l'orge. On en a un pas beaucoup de l'orge. Hein. Donc, de l'orge, tu vas aller en acheter ici. Jusqu'à en avoir 20. Et ici. Jusqu'à en avoir 20. Après, tu vas aller déposer là tout ton orge. Très bien. Et tu vas récupérer le sirop de malt ici tout. Et tu vas aller le déposer là. Le sirop de malt tout. Ok, voilà. Donc c'est pas mal. On va réorganiser juste un petit peu. Non, il faut que je mette quelqu'un pour que j'ai le. Voilà, le petit truc, parce que là il y a des petits glitches quand même. Donc du coup, tu récupères de la thune. Tu vas acheter des pots en grès. Donc là, tu vas ici, tu vas ici. Après, tu retournes là. Donc là, juste après avoir été acheté 8 American, être passé là, tu vas passer au Jackson. Donc juste après le 8 America, il est où? Là. Hop là. Voilà. Déjà, c'est plus logique comme ça. Tu fais ça, tu fais ça. Tu vas là-bas. Ici, tu vas là, et donc là il y a encore un petit glitch. Tu vas aller ici. Ouais, quoique le glitch est pas forcément si fou parce que. En vrai, il faudrait qu'il dépose ses pots engrais là. Ensuite, il va chercher le malt. Il va chercher ça. Il retourne déposer ici son orge. Ouais. Déposer pour engrais. Alors, le Lakeshore Bowling, acheter l'orge. Ouais, c'est ça qui pose souci. Mais faut quand même que tu y ailles avant. Tu vas acheter ton orge et tu retournes déposer tout l'orge que tu as. Tu as déposé tes pots engrais, tu as déposé ton orge, tu récupères le sirop de malt, tu déposes le sirop de malt. Et après, tu es reparti. Non, c'est pas si mal en fait. C'est franchement, c'est pas si mal. On va partir là-dessus. C'est parti, en avant. Au boulot. Alors, t'as posté une image sur Discord pour les bâtiments à attaquer. D'accord, donc en fait, c'est pas ce qu'on a trouvé du coup. Alors, pardon, ça dézoome. Quand je scroll sur Discord, ça dézoome dans le jeu. Parfait. Donc, ça correspond pas du coup. Pour l'instant, on a trouvé un bâtiment comme ça, mais ça, c'est vraiment leur planque. Ce qui est bizarre parce que nous techniquement on n'a pas de planque. On a notre bâtiment de départ. Mais c'est pas une planque, c'est un bâtiment quoi. Donc on va voir, on va retourner fouiller avec Squashy. On va peut-être y aller à deux histoire d'éliminer un petit peu les gros relous. Alors toi, t'es là. J'aimerais qu'avant de faire le con, tu passes ici récupérer une petite arme. Alors on a du pistolet de poche ici. J'ai pas avancé assez. Remarque, tu vas aller là directement
Et tu vas prendre, je pense. On avait de les winch, non? On avait pas des winch? Elles sont où les winch? Ah zut, elles sont pas là les winch. Elles sont ici. Ah, elles sont là, dommage. Du coup, viens là. Tout là. Et tu vas récupérer une Winchester pour les éventuels relous qui voudraient jouer au con. Ok, next, on a fait le recrutement. On pourrait recruter encore d'autres personnes. On pourrait recruter un autre muscle. Mais on n'avait pas vraiment de gens pertinents pour le muscle. Hein. Agressif. Confiant, agressif et faible. Ok, agressif, intègre et croyant. Ok, c'est nul. D'autres personnes agiles. Irritable et agile, ça reste bien. Négligent, non. Curieux et agile. Négligent, agile et charme. Irritable et agile, pourquoi pas. Vigilant, on a dit qu'on en avait quelques-uns. Laid et faible. Ouais. Irritable, intègre et vigilant. Aimable, décontracté et vigilant. Ouais, ça c'est pas ouf pour du muscle. Hein. Cruel. Cruel, décontracté et rancunier. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon. C'est pas non plus dingue, quoi. Ah, on a un fort ici. Ah ouais, mais il est maladroit, on va pas prendre un muscle maladroit quoi. Dommage, il est irritable et fort. Enfin, elle d'ailleurs. Ouais, c'est pas ouf hein. Lui il est pas mal, mais il a que deux compétences. Mais il est pas mal. Il est pas si mal, hein. Ça pourrait se valoir. Hein. Agile et irritable, on lui file une bagnole et il y a un gros fusil et il y a moyen qu'il aide quoi. Il y a moyen qu'il aide. Allez. Il faut qu'on s'agrandisse de toute façon. Donc. On est d'accord que c'est bien lui, irritable et agile. C'est parti. Tu vas prendre la voiture. Voilà. Et tu es bien placé, tu vas prendre du coup pour commencer un petit pistolet. On n'a pas ce qu'il faut, donc tu vas direct aller chercher la Winchester. Voilà. Et on va se mettre un petit peu à faire ça. Là, il faut qu'on en dépose 50. C'est ça. Et il nous manque juste les sous. Alors il faudra qu'on aille vendre aussi tout ça, mais c'est pas la priorité. Ici, on dépose tout ce qu'on a en pot en grès. Le reste, ça devrait le faire. Et donc Matthew Brennan, est-ce que tu irais pas faire un petit tour par là? Se faire les dents genre sur eux là. Ah mince, son véhicule est amoché. Bah écoute, tant que t'es pas parti loin, tu vas les réparer du coup. Alors par contre, voilà, arrête ton action. Tu vas retourner chercher de l'argent. Je pense qu'on va y aller à 3, s'occuper de... des petits malfrats là-bas, puisqu'ils font leur malin. On va juste aller chercher de l'argent, lancer la construction de notre bâtiment. On a combien là? On a 1000 balles au tripot et 700 balles, ok, donc on peut se permettre de vider ça. T'en es où d'ailleurs toi, en train de moonshine à vendre là. Ok, c'est bon, il y a ce qu'il faut. On a du vin de contrefaçon. On va passer ici en vendre un petit peu chez notre copine. Bim, 1400 balles, voilà, ça c'est fait. On va là.
C'était 750. Hop, hop, la malterie, c'est parti. 8 tours ça prend. Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On est parti pour 8 tours. Par contre, il faut que 8 d'orge. On va peut-être réduire un petit peu notre achat là. 20 c'était un peu trop, on va prendre 10. Ça permettra d'avoir une petite réserve qui se fait sans que ça nous coûte non plus trop cher. Ok, c'est pas si mal. On va commencer à se diriger vers là-bas. Et ça va travailler sans nous quelques temps. Allez hop. Ah, on a un niveau. Squashy a un niveau, mais elle n'est pas encore suffisamment douée pour devenir capitaine. On va donc monter ses compétences en bagarre. Et on est parti pour aller par là. On va peut-être y aller 4-2, hein, ça suffira. Mais ça pourrait être pas mal de faire monter un peu le niveau de Brennan. Alors, est-ce que t'as suffisamment de sous? Ouais, t'as assez de sous. Hop. Un peu de réparation. C'est parti. Et tu vas rejoindre les copains. En avant. Pendant ce temps-là, ça va travailler. Toi t'achètes 0, pourquoi? Parce que t'as pas assez de sous? Non, t'as assez de sous, c'est juste qu'ils doivent être en dèche. C'est juste qu'ils doivent être en dèche. Toi t'es là, tu vas déposer tes pots en grès pendant que t'es là. Voilà. Et ton sirop de malt aussi, on le récupérera plus tard. Alors, ils sont arrivés sur place. Ah bah ici ça a reculé, vu qu'on a détruit leur commerce de façade, ça y est, ça commence à reculer. Ça c'est cool. Donc il va falloir qu'on aille fouiller un peu le coin, mais d'abord... Ok, lui il peut aller jusqu'ici, mais il va être un peu tout seul. On peut reculer, on va reculer. Ça, il aura pas envie de nous attaquer. Ok, on a terminé. Alors la sauvegarde, un petit peu longue hein, sur la carte de New York, la sauvegarde malheureusement. Voilà, donc toi, viens ici. Ah oui, c'est pas fini encore. Ça fait un peu n'importe quoi avec le pathfinding. Ça y est, voilà. Hop, on ramène le signe. Et donc Squashy. J'aime pas la façon que vous avez de me regarder. Allez, c'est Squashy qui lance les hostilités. Voilà. Il s'est défendu, hein. Un juge met en doute le rapport de police. Il s'est mis dans un tonneau pour se jeter à l'eau tout seul. Effectivement, c'est pas très très pertinent. Alors, déjà, on va fouiller un peu d'argent, admettons. On va commencer par lui. 19 absinthe, c'est pas si mal. Encore beaucoup d'absinthe. Très bien, ça c'est pas mal. Un bon loot. On est qu'à 51%, donc c'est qu'il n'y avait plus rien. C'est parfait. Là on est plein. Là on est plein, et là on peut pas mettre plus. Donc c'est fait. On va éloigner lui, même si c'est juste une personne au cas où il y a les flics fassent une descente dans la foulée. Et on va rentrer, hein, tout simplement. Ok, on va terminer le cycle de production. On va aller déposer tout notre loot bien mérité. Ici. Allez, en route, on rentre. Alors ici il y a une offre possible. On vend, on vend, on achète du blé, on achète des pots en grès, parfait. Ici on vient de terminer la production, il nous reste 18 pots en grès. Il nous faut un responsable pour mettre des trucs, ouais.
Est-ce que ça vaudrait le coup de mettre un responsable? Je crois qu'on n'en avait pas d'intéressant des responsables. Hein. Branco. Bon, la maison de jeu là, elle a du mal quand même à être rentable. Hein. Il faut qu'on fasse ce truc là. Avec ce qu'on a récupéré là, on devrait pouvoir sans problème. L'un de nos véhicules est un peu amoché. Ouais, ça va. On va survivre quoi. Hop, 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 hop. Vente de moonshine, achat de pour engrais. Eux, ils sont déjà rentrés. Est-ce qu'ils sont bien rapides? On va stocker la matraque. Donc c'est bien plein ici. On est plein nous aussi. Hein. Avec notre petit brandy là. Ah, faut que je me repose. Zut. Je peux rien faire d'autre. Ah, pareil, repose-toi. Voilà. Matthew, il revient à son rythme. Hein. Alors, c'est parti. On est parti pour vendre du brandy. Tu vas nous faire un prix. Voilà. Et on a quoi d'autre, nous, sur nous? De l'amaretto, donc c'est pas ici qu'on le vend, l'amaretto, c'est là qu'on le vend. Ah, il en prend que 14 caisses, tiens. On s'en fout. Ça, c'est pas intéressant pour l'instant. On a un truc qui est dans le mal. Ici, on va le mettre de côté. On est en juillet, il faut qu'on passe à la gare. Là, on pourrait vendre de l'absinthe. 2500, bah voilà. Tu veux rien garder puisque tu vas aller te fight de toute façon. Ici, importons un peu de marchandises. Ah non, c'est à partir d'après qu'on pourra leur vendre de la bière en masse. Bon, ok, pourquoi pas. Ici, ça donne quoi là? On en est où? Deux tours encore. On a déjà 11 d'orge, c'est pas mal. Et toi, t'as de l'absinthe aussi. Bah, vas-y. Va vendre ton absinthe. Toc. Alors là, on s'est fait un paquet de pognon. On peut utiliser ce terme, je pense. Sans trop de... Tu vas prendre ça et ça avec ta petite voiture là. Et tu vas aller faire l'aller-retour pour aller déposer ça ici. Hop, hop. Toi, bah tu vas terminer, je pense. Toc, toc. Non, c'est toi. Hop, et hop, voilà, ça c'est fait. Pas suffisamment, mais normalement, il y a moyen que notre producteur, là, notre fournisseur, il est là, il arrive. Toi, tu connais des gens qui pourraient nous aider. Qu'est-ce que tu connais d'intéressant? Ouais, bon, cela va être de l'alcool avancé, ouais, c'est ça, c'est de l'alcool avancé. Cela dit, hein, on sait qu'on peut pas trop vendre plus d'amaretto, donc on va aller là, liquider notre amaretto. De l'amaretto. Tu nous fais une petite offre? Ouais, très bien ça. 26 caisses, c'est pas mal. Squashy. Pareil. Ah, il va nous en rester un. Pas de bol. On va aller le déposer là. Ce sera notre truc à sous. Ici, il faut qu'on aille se réparer.
semblait qu'on s'était réparé avant de partir, mais non, c'est... C'est Mathieu qu'on a réparé avant de partir. D'accord. Une caisse de plus, et ça marchera mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on attendait? J'ai ce que vous attendiez. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, l'influence, ouais. On va aller se faire ça, je pense. Avec notre investissement, là, on va améliorer notre tripot. Donc on est parti. On va débloquer le jeu de cartes. Et on va aller faire un petit jeu de cartes dans notre tripot préféré. Alors, déposer de l'argent. Hop, hop. Voilà. Et on va se lancer dans... Voilà. Une petite table de jeu. Et donc pour ça, si on veut le faire, il nous faudrait du personnel attentionné. Après on pourrait partir là-dessus aussi avant. Hein. Parce que ça aussi, ça peut pas mal rapporter. Donc on pourrait partir sur le bookmaking et une fois qu'on l'aura agrandi, on fait un bar. Ça peut être une possibilité. Ça peut être une, tout à fait une possibilité. Mathieu, t'es juste à côté de la planque. Ramène la thune. Hop 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 hop. Voilà. Et on va se lancer dans un bookmaking. On va fabriquer en même temps que les autres, comme ça ils seront tous faits en même temps. Normalement on n'aura peut-être pas suffisamment de sous pour tout financer direct, mais il y a moyen que ça soit possible. Oui c'est ça, ça nous le disait là. Argent nécessaire 2250, il en manque un peu. Mais ça va se faire. On a bien investi. Très clairement. Est-ce qu'on retourne mettre des fessées? J'aimerais bien trouver un bâtiment à attaquer quand même. Donc maintenant qu'on a éliminé cette zone, je pense qu'on va retourner titiller un peu le clan Payne là. Et on va y aller à deux. Même si ça va être assez long. Parce que Squashy se déplace beaucoup plus vite que Mathieu. Alors, on pourrait terminer cette quête pour avoir un véhicule d'occasion, mais c'est pas hyper intéressant. Regardons un peu les compétences. Ah, on pourrait faire du gin, de la bière améliorée, le blanchiment d'argent, du cidre... Construction de garage et construction de garage. On a toujours pas le speakeasy, c'est chiant. Mais on pourrait partir sur deux jeans. On a déjà la Maréto. Ici, il y aurait moyen d'avoir un bâtiment éventuellement. On pourrait plutôt le faire là vu que c'est un commerce de quartier. D'ailleurs on n'a pas été géré on n'a pas été géré les escrocs, les extorsions ici. Merde, je l'envoyais faire les attaques avec des trucs dans son coffre elle. Bah écoute, vu que du coup tu te déplaces beaucoup plus vite, tu vas revenir. Et tu vas t'occuper de menacer les gens ici. Hop là. Une petite extorsion. On a des niveaux. Responsable de speakeasy. Ça me va bien. Et là... Ok. On va améliorer le pro de ruelle pour lui. Ici. T'es pas contente ? Tiens, c'est cadeau. Et là, on l'extorque déjà. Ouais, bah écoute, c'est parfait.
Non, c'est lui qu'on extorque pas. Voilà. Oh, ils sont pas contents, mais hein, voilà. On... il faut comprendre les nécessités de la vie, c'est tout. On va les déposer vite fait. Ce qu'on a et qui nous sert pas, à savoir les sous et l'amaretto. Et après, on retourne aider Mathieu qui tout seul va peut-être galérer un peu. Ensuite, toi, il faudrait qu'on trouve d'autres endroits où s'agrandir. Éventuellement par ici. Ça pourrait être pas inintéressant par ici. Alors on a 0 sous. Donc on va passer en chercher. On va prendre 2000 balles avec nous, hein, comme ça on a de quoi en déposer un peu là en passant. Il faut 2250, il manque 1000. Bah écoutez, on va déposer 1000. Hein. Voilà, parfait. C'est bon. Et dans 4 tours, on peut espérer commencer à faire vraiment des sous. Ensuite, on va aller voir si lui, il serait pas intéressé pour nous aider à grandir un peu. 840. Ça commence à être cher, mais ça se vaut. Hein. Une petite extorsion, et maintenant on va pouvoir s'agrandir. Ici, c'est parti. Au boulot! Au boulot, au boulot. On dépense notre investissement, mais c'est pour le mieux. Ici, il y a moyen aussi que ça soit assez intéressant, il y a pas mal de monde. Alors, le problème, c'est que l'idéal, ça serait que ça soit ici pour pouvoir s'étendre là. Et là. Ça c'est un seul truc. Attendez. Ah oui, non, c'est ici qu'il est. Ah ok, donc non, ici c'est pas mal en fait. Ici on pourrait s'étendre ici, ici. Et là, ça serait quand même très intéressant. Bon, on n'a plus les sous pour. On n'a plus les sous sur nous. On va passer en chercher. On va passer en chercher un petit peu. Toc. Et par contre, on va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire un petit au revoir dans le chat hein, si le lag ne vous a pas fait partir. Désolé. Et ben, dans tous les cas, on se dit à très vite pour la suite. Un petit coup, et merci à toutes et à tous.